Bonjour, c'est Camille de French Today et aujourd'hui on va apprendre à cuisiner en français avec Olivier. Alors Olivier va nous préparer des croque-monsieur. Il a sorti du pain et il a sorti une poêle. Il retourne ses croque-monsieur. Il faut mettre de l'huile, du sel, voilà, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là! Au secours! Au secours! C'est l'incendie! Quelle horreur! Bon, tout va bien. Finalement, ce n'était pas trop grave. On a changé le four et voilà, Olivier recommence à faire des croque-monsieur. Il a mis une poêle, il met le pain dedans. Il faut mettre de l'huile, pas trop d'huile, Olivier. Retournez le pain, voilà l'huile, le sel, très bien. Ça se passe plutôt bien. Encore du... Oh! Oups! Non, là, ça va pas, Olivier. Ça va pas être bon. Berk! Moi, je ne mange pas ça. Allez, Olivier, c'est pas possible. On le jette. Désolé. Allez, on recommence. Cette fois-ci, on va faire, voilà, quelque chose de plus simple, une salade. Olivier met les légumes sur une planche et il se coupe. Il faut faire attention avec le couteau. Non, il casse la bouteille et il se coupe encore. N'importe quoi, Olivier. Attention avec le couteau. Voilà. Il faut couper doucement. Mais qu'est-ce que tu fais? Le doigt dans l'oreille? Oh non, c'est dégoûtant. Il remue la salade avec ses mains alors qu'il a mis son doigt dans l'oreille. Ah là là, Olivier, tu as des progrès à faire en cuisine. Bon, allez, on continue. On va préparer des macaronis au fromage. Tiens, voilà Camille. Elle fait la vaisselle. Alors, Olivier a sorti une casserole. Il mélange la préparation avec une grande cuillère en bois. Il met du sel. Qu'est-ce que fait Camille? Elle ne va pas faire des pompes. Et si? Voilà. Les Sims sont fous. Bon, au moins, Olivier, lui, a réussi ses macaronis au fromage. Alors, maintenant, Olivier va préparer une omelette. Ça, c'est assez facile. Il met les œufs dans un bol, un petit peu de sel, on remue encore. Et voilà Leila. Oh, justement, Leila a faim. Elle peut manger. Olivier a mis les œufs dans une poêle. Oh là, il y a beaucoup, beaucoup de fumée. Du sel, on remue, on remue. J'espère que ça va aller. Oui, ça va. Bravo! Olivier a amélioré sa compétence. C'est bien. Ok, on va peut-être cuisiner quelque chose d'autre. On va essayer un gâteau au chocolat. Allez, allons-y. Olivier sort les ingrédients, la farine, le beurre, le chocolat. Il mélange avec sa cuillère en bois. Ah, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Des légumes? Non, je ne pense pas. Peut-être des fruits? Olivier va chercher une recette. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, de l'extrait de vanille, ça c'est une bonne idée. On remue, on remue. Et voilà, maintenant, il prend le bol, il verse la préparation dans un plat qui va au four et il attend. Et voilà Leila qui va faire la vaisselle. Oh, c'est bien ma fille, bravo. Et voilà le gâteau. Oh, comme il est beau! Bravo, Olivier!
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. In the description, you'll find a link to French Today with the transcript and English translation. Remember to check out frenchtoday.com for blog articles and your free audiobook to learn French like it is spoken today. Please press like and share this video with your friends and teachers and leave a comment. I love reading your comments. And of course, press subscribe so you never miss one of my videos. À bientôt, and remember, repetition is the key.